Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler du meilleur accessoire pour la récupération musculaire. Et oui, le Mass Gun Hit de la marque Mass Force, le pistolet de massage qui est très très bon et qui a une particularité intéressante parce qu'elle a une poignée chauffante. Et ça, c'est bien. Avant de commencer cette petite revue, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. D'accord ? On a contacté Mass Force pour avoir un pistolet de massage, pour faire une petite review cool. C'est pas sponsorisé. Toutes les images que tu vois sont faites de moi. Ça, c'est important de le dire. Alors, le pistolet de massage, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Pour moi, c'est simple. Pour moi, le pistolet de massage sert à te soulager et à te détendre après les séances. J'ai un exemple bête. Je fais un exercice épaule à la salle, enfin des exercices, une séance épaule. Je mets lourd, je me fracasse bien les épaules. Je sens que j'aurai un peu mal des courbatures à la maison. Je sors mon pistolet de massage, je l'allume tranquillement, hop, et là, je peux masser mon épaule tranquillement. Pour moi, pistolet de massage, ça sert à ça. C'est à se détendre, à se relaxer et à se mettre bien. C'est important. J'avais fait une vidéo il y a peut-être 2 ou 3 ans sur le pistolet de massage qui a été mal interprété. Parce que tu vois, quand le pistolet de massage est sorti, quand il est arrivé en France, chez nous, chez des influenceurs, beaucoup de personnes vendaient ce produit comme un produit miracle, comme un produit qui va te faire gagner en muscle, tu vois. Il y a des personnes... Leur argument de vente, c'était « Grâce à ça, je vais exploser mes perfs. Grâce à ça, je vais être beaucoup plus balèze. Grâce à ça, je vais me sentir mieux à chaque séance. » Et moi, je dénonçais ça, justement, en disant que ça servait à rien. Et beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec ce propos. C'est pour ça que là, on va réitérer les propos. On va redire les arguments. Et on va déceler le vrai du faux. Parce que oui, c'est un bon produit, c'est intéressant, mais ce n'est pas un produit révolutionnaire où tu vas tuer toutes tes performances, où tu vas avoir un meilleur physique avec ça. Ça fait un peu plus de 2 semaines et demie que j'utilise quotidiennement le Mass Gun Hit de chez Mass Force. J'utilise tout le temps après mes séances, que ce soit le matin après mes séances ou le soir après mes séances, tout dépend de mon planning de travail. Je peux déjà te faire une review intéressante parce que bien avant ça, j'avais un pistolet de massage. C'était celui-là, de la marque Ecupuse. Je l'ai pris sur Amazon, pas très cher, et il m'a fait grandement du bien. Mais le problème, c'est que celui-là, il a tenu 2 mois. Après, tu le recharges, il ne s'allume plus. Tu le recharges, enfin, il s'allume, mais il ne fait plus rien. Tu vois, il ne veut plus vibrer, il ne veut plus faire sa fonction. Et j'étais très énervé à ce niveau-là. Je ne l'ai pas acheté très cher, mais j'étais énervé. Ce qui est bien avec le pistolet de massage, c'est que ça détend tes muscles. Après une séance, quand tu l'utilises, ça te fait du bien. Même quand tu as des courbatures et tu l'utilises, ça fait du bien. Surtout pour les jambes. Tu vois, les jambes, quand tu as des courbatures, tu l'utilises, ça fait du bien de fou. Mais ça ne retire pas les courbatures. D'accord ? Ça, c'est important, il faut le dire. Parce que j'ai entendu beaucoup d'arguments comme ça en disant « J'ai des courbatures, j'utilise le pistolet de massage, j'en aurai plus. » Non, ça va juste te détendre, ça va juste te faire du bien, ça va juste détendre un peu les nerfs dans tes muscles. Mais en aucun cas, ça va supprimer ou retirer les courbatures. Ça va te faire juste du bien, d'accord? Et une fois que j'ai eu le Mass Gun Hit, ce qui m'a perturbé en premier, eh ben c'est ça, c'est l'embout chauffant, la tête chauffante, qui est vraiment incroyable. Parce que voilà, c'est une tête chauffante qui est métallisée, rechargeable en USB-C avec 3 niveaux d'intensité de chaleur. Et ça, c'est intéressant, je me suis dit, maintenant je vais me masser avec un peu de chaleur, ça peut être bien. Au niveau de la chaleur, ça va. C'est pas une chaleur qui peut te brûler, c'est chaud. J'aurais aimé un peu plus chaud, encore un peu plus chaud. Je vais pas te mentir, mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien et tu te masses différemment. Le seul problème, c'est que quand tu as connu un pistolet de massage classique avec plusieurs embouts, et ben quand tu as celui-là, ben tu veux que utiliser ça. C'est-à-dire que tous les autres embouts, ben il sert à rien. Parce que en fait, quand tu te masses avec un embout chauffant, tout le reste, tu n'as plus envie de l'utiliser. Et ça, c'est le problème un peu de ce produit-là, tu vois. Parce que si tous les embouts seraient chauffants, ce serait incroyable, mais le prix ne serait pas pareil. Mais là, tu as un embout incroyable et les autres embouts qui ressemblent à tous les embouts que tu as eu, tu vois. Et toi, ce que tu veux, bah, c'est prendre ton embout chauffant et être bien, être massé au chaud. Sachant qu'on est en hiver, ça fait un peu plus du bien.
Et puis voilà, quand tu rentres, tu te masses avec un embouchon, après ta douche, t'es bien, ou après ta séance directement, ça fait du bien. Moi, je te cache pas, depuis 2 semaines et demie, la seule fois où j'ai sorti les embouts de la boîte, c'est juste pour faire la vidéo, sinon, je les utilise plus et je sais que je vais pas les utiliser. Je le sais très bien. De toute façon, sur mon pistolet de massage classique, j'utilisais juste 2 embouts, juste 2 boules, tu vois, c'est tout. Là, je sais que je vais prendre juste la tête chauffante. La tête chauffante, elle fait du bien. Et la sensation, en fait, de se masser avec du chaud, ça fait vraiment du bien. Par contre, si tu veux vraiment ressentir l'effet chaleur, il faut que tu le fasses torse nu, d'accord? Et il faut que tu le fasses peau directement. Parce qu'avec un vêtement, tu ne vas rien sentir du tout. Tu ne vas vraiment rien sentir. Surtout si tu aimes bien le chaud, tu ne vas rien sentir malheureusement. Bon, sinon, j'ai fait quelques annotations objectives et ça n'engage que moi du produit. Au niveau de la performance, j'ai mis la note maximale. Parce que la performance, c'est un pistolet de massage qui répond bien à tous les critères des pistolets de massage que j'ai vus. Niveau intensité, puissance, on est bien, ça fait du bien. Même l'embout chauffant, il est rechargeable. Les niveaux d'intensité, ils sont bien. L'utilisation maximale aussi parce que c'est facile à utiliser, c'est simple à utiliser. Tu as juste le bouton pour allumer, le bouton pour sur intensité, c'est tactile derrière. Tu choisis vite, ça s'utilise très facilement. Au niveau du prix et du design, j'ai pas mis la note maximum parce que le prix, ben on est aux alentours des 150 € pour ce produit-là. Sachant que des pistolets de massage, notamment celui que j'ai acheté, il me semble que j'ai acheté dans les 40 € sur Amazon. Il y a des pistolets de massage sur 30 € sur Amazon, mais le truc, c'est que moi, il a duré 3 mois, enfin entre 2 et 3 mois. Donc, je sais pas si ça peut être bon ou pas, mais je sais qu'il y a plein de produits, plein de pistolets de massage qui sont beaucoup moins chers sur Amazon. La particularité de celle-ci, c'est qu'il y a un embout chauffant. Ok, c'est pour ça que j'ai pas eu au maximum. Au niveau du design aussi, du design, c'est un pistolet de massage qui ressemble à tous les autres. Il est un peu plus solide, mais il n'y a pas un truc de fou qui fait que ouais, vas-y, je mets un autre maximum. S'il y avait des LED, il faisait des lasers partout, peut-être que oui, mais là, non. Et pour l'autonomie, rien à dire, ça fait 2 semaines et demie que je l'ai, que j'utilise à peu près 10-15 minutes par jour et que je ne l'ai pas rechargé pour l'instant. Que ce soit l'embout chauffant, parce qu'il faut recharger l'embout chauffant, et aussi le pistolet de massage, je n'ai pas rechargé pour le moment. Donc pour moi, l'autonomie, c'est juste incroyable. Faut juste faire attention à vérifier la batterie, parce que comme c'est un truc que tu ne recharges pas tout le temps, ça c'est un truc où un jour tu auras envie de l'utiliser et il sera déchargé, il faudra le charger directement. Ça, c'est dur la grande autonomie. C'est pas un truc que tu charges tous les soirs, tu vois. Donc ça, à faire attention à ça, mais l'autonomie, excellent. Pour moi, le pistolet de massage en général, c'est destiné à n'importe qui. Que ce soit un pratiquant de musculation, un sportif de haut niveau, ou même quelqu'un qui veut se détendre après le travail. C'est destiné à n'importe qui. Tu veux te détendre après ta séance, après ton travail, et pas t'as ton pistolet de massage avec embout chauffant ou non, et ça va te faire du bien. C'est intéressant, c'est important. Et moi, c'est quelque chose que j'aime utiliser quotidiennement. Pour les personnes qui font de la musculation, il faut être conscient que c'est pas un produit qui va améliorer tes performances, c'est pas un produit qui va t'enlever tes courbatures, c'est pas un produit qui va enlever tous tes problèmes, c'est un produit qui va te soulager. D'accord ? Parce que j'entends aussi maintenant, oui, je fais des meilleures perfs avec mon pistolet de massage. Non. D'accord ? Non. Ça va juste te soulager, ça va te faire du bien, ça va calmer un peu tes douleurs, tes courbatures, ça va pas te les enlever. Okay, ça va juste faire du bien. Et ça, faut le savoir. En tout cas, j'aime beaucoup ce produit et je vais encore l'utiliser pendant très longtemps de manière quotidienne. Sachant que là, je suis en prise de masse énervée. Donc, il me faut ce produit pour calmer un peu les charges que je porte. Ça va me faire du bien. Et je remercie encore MassForce pour m'avoir envoyé ce produit qui, à moi maintenant, ils me l'ont donné. Et je vais faire honneur à ce produit. En tout cas, si t'aimes bien ce contenu, si t'aimes bien les reviews, dis-le moi. On va contacter des marques, on va voir ce qu'on peut te proposer. Ça peut être intéressant aussi pour la chaîne. Et puis voilà, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.